bonsoir. Les intempéries se poursuivent dans le sud-est du pays ce dimanche soir avec énormément de pluie, et notamment dans le département de la Lozère. Vous découvrez ces images sur la commune de Pied-de-Borne. Il est tombé sur la commune de Villefort autour de 450 mm de pluie et depuis le début de l'épisode. Ça commence à se calmer et sur les Cévennes. Les orages les plus actifs se décalent vers le Languedoc puis vers la Provence. L'alerte est donc étendue jusqu'à la région PACA pour la journée de demain lundi, avec des orages encore attendu pour la nuit prochaine. On a eu aussi ce soir des inondations dans le secteur de Nîmes. Demain matin, c'est donc la pluie qui va perdurer sur l'est du pays, avec des orages parfois forts, notamment vers les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse ou encore le département du Var. Ça va s'éclaircir dans l'ouest avec quelques ondées en direction des littoraux. Et pour l'après-midi, un temps toujours agité pour le sud-est du pays. De fortes pluies et des orages jusqu'en soirée prévues sur la région Rhône-Alpes. Des pluies qui remonteront dans une moindre mesure en direction du Jura. Et puis à l'ouest, un ciel variable entre nuages et éclaircies, avec un risque d'averse pour les régions bordant la Manche et l'océan. Les températures de ce lundi matin seront sensiblement plus fraîches, avec à peine 7 degrés pour Alençon, 10 à Paris, 12 à Lyon, mais encore 20 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, la fraîcheur se généralise, c'est dans l'est qu'elle sera la plus nette, avec seulement 14 degrés pour Besançon, 15 à Grenoble, 16 à Lyon, il fera 19 à Orléans, 20 degrés pour Bordeaux, et quand même 30 degrés prévus dans la région d'Ajaccio. Nouvelle perturbation prévue pour mardi. On va la retrouver en journée entre les Pyrénées et le nord-est, avec à l'arrière des averses et beaucoup de vent, notamment vers la Manche. Le temps sera plutôt sec pour la Méditerranée, où le calme sera de retour. Les températures toujours bien fraîches pour cette journée, souvent l'après-midi entre 15 et 18 degrés, jusqu'à 24 pour Ajaccio. Mercredi, ça va commencer à se calmer, avec un ciel variable pour l'ouest et pour le sud. Beaucoup de soleil, mais beaucoup de vent pour la Méditerranée. Et puis au nord-est, encore un temps gris, avec quelques pluies résiduelles. On attend d'ailleurs de la neige, des 1500 mètres seulement pour le nord des Alpes, et pour cause, il fera très frais, à peine 14 degrés pour Reims et pour Strasbourg, un petit 16 à Lyon et Paris, 19 en Aquitaine et 23 degrés pour Nice. La suite avec une seconde partie de semaine beaucoup plus calme et anticyclonique, avec encore des nuages résiduels dans le nord-est pour jeudi. On en retrouvera dans le centre-est vendredi, mais ailleurs le soleil va prendre l'avantage. Il fera bien frais durant les matinées, température à l'après-midi assez proche des normales de saison, et puis encore un week-end calme sur la plupart des régions. Le soleil souvent présent, des nuages sans doute au centre-est, peut-être quelques ondées entre les Alpes et la Corse, avec des matinées bien fraîches, mais des après-midi relativement doux. Ce soir, direction le département du Var, avec de belles couleurs ce matin au lever du jour, un ciel parfois un peu menaçant dans le département où les averses se déclenchent ce soir. On attend des orages pour la nuit prochaine et pour la journée de demain. Soyez prudents. Nous serons le lundi 4 octobre et nous fêterons la Saint-François d'Assise. Bonne soirée à tous et à demain.